Oui, bonsoir, maman Linda. Bonsoir, tout le monde. Oui, c'est comme je vous le disais. J'ai un gros souci. Vraiment, je suis vraiment embêtée. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide à tous. En fait, quand je rentre à 16h du boulot, ma fille de 14 ans, elle me dit, j'ai mon ami, j'ai une copine qui est arrivée ici demander après moi. Je lui dis, ça ne peut pas être possible, puisque depuis que je suis arrivée, on est dans un nouveau quartier. J'ai pas encore amené de copines ici, même des parents. Il y a certains parents qui ne savent pas encore où j'habite, c'est un nouveau quartier, ça fait pas longtemps que je suis ici, donc ça ne peut pas être possible. Elle dit si, elle s'est présentée, elle a demandé après toi, elle connaît ton prénom. J'ai dit tu n'étais pas là, donc elle s'est installée et elle m'a demandé d'aller lui faire le flash. Donc l'enfant lui fait le flash juste à côté. L'enfant lui fait le flash juste à côté. Maintenant, quand l'enfant revient, elle demande à l'enfant d'aller au carrefour un peu plus haut, d'attendre quelqu'un là-bas. Quelqu'un viendra lui remettre l'argent pour remettre à la dame. Donc l'enfant, sans réfléchir, elle est montée. Maintenant, derrière, elle a laissé son petit frère de 10 ans. Maintenant, son petit frère est resté avec la dame. Donc la dame ne s'est pas gênée. Elle est rentrée dans ma chambre. Et elle s'est enfermée dans ma chambre. Ensuite, elle a fini de faire ce qu'elle avait à faire. Elle est ressortie. Elle dit au petit de 10 ans, oh, donne-moi 500. Le petit a dit, je n'ai rien. Donne-moi 500 ou 1000 francs. Le petit a dit, je n'ai rien. Elle est partie. Donc, elle n'a pas attendu celle qu'elle avait envoyée plus haut. Elle est partie. Donc, pensez qu'elle a envoyé plus haut. Redescend. Elle n'a plus retrouvé la dame. La dame était déjà partie. Ah, c'est passé autour des 14 heures. Donc, quand j'arrive à 16 heures, ils me disent ce qui s'est passé. Je dis, mais je n'ai personne. Comment ça, elle vient, machin, et le petit dit non, elle est rentrée, elle a attendu que la plus grande aille plus haut, elle s'est introduite dans ma chambre, machin, j'essaie de regarder. Tout de suite, j'ai pas vu qu'il y avait des trucs qui manquaient. Maintenant, quand je regarde sur la corde où j'installe mes sous-vêtements, je me rends compte qu'il y a deux pinces qui flottent. J'ai dit, mais attends, elle m'a piqué des sous-vêtements, elle m'a piqué des sous-vêtements et autres. Je me suis mise à pleurer, 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 pleurer. L'enfant me dit non, quand elle m'a envoyé faire le flash, j'ai retenu son numéro, j'ai pas supprimé le numéro, il est dans le téléphone, j'ai dans le numéro. J'essaie d'appeler la dame, elle a décroché, j'ai dit allô, vous étiez chez moi, vous c'est qui? Elle a raccroché, elle n'a plus dit, elle n'a plus parlé, non, elle n'a pas parlé, elle a laissé mes unités finir comme ça là, elle était juste là, silencieuse. J'ai dit mais présentez-vous, vous étiez chez moi, vous m'avez pris des sous-vêtements, moi je ne vous connais pas. Apparemment, l'enfant me dit non, quand elle m'a envoyé faire le flash, j'ai retenu son numéro, j'ai pas supprimé le numéro, il est dans le téléphone, j'ai dans le numéro. J'essaie d'appeler la dame, elle a décroché, j'ai dit allô, vous étiez chez moi, vous c'est qui? Elle a raccroché, elle n'a plus dit, elle n'a plus parlé, non, elle n'a pas parlé, elle a laissé mes unités finir comme ça là, elle était juste là, silencieuse. J'ai dit mais présentez-vous, vous étiez chez moi, vous m'avez pris des sous-vêtements, moi je ne vous connais pas. Apparemment, vous connaissez comment je m'appelle. Moi, je ne vous connais pas. La dame raccroche. Tous ceux qui sont là autour, on essaie de l'appeler. Elle décroche et elle laisse les unités passer comme ça, là. Maintenant, j'envoie le numéro à une frangine qui est en province. La frangine l'appelle, elle dit, oh non. Effectivement, j'étais chez elle. La frangine l'a menacée. Elle dit, oui, effectivement, j'étais chez elle. Mais j'ai jugé pour les sous-vêtements parce que j'étais indisposée. La fille dit, mais comment tu t'introduis chez les gens, tu prends un sous-vêtement, tu parles indisposé. Mais va te présenter quand même. Parce que ce ne sont pas les choses qui se font. Elle a raccroché. Et depuis là, on essaie de l'appeler. Elle ne décroche pas. Elle ne décroche pas. Parfois, tantôt, elle décroche et elle ne parle pas. Elle laisse ses unités couler comme ça. Elle ne parle pas. Bon, j'appelle à l'aide à toutes les personnes de bonne foi. J'essaie de me localiser ce numéro parce que je suis vraiment dépassée. Je suis vraiment dépassée. Je sais pas qui s'est introduite chez moi. Je sais pas. J'ai vraiment besoin de votre aide. La dame, elle répond au 077 96 69 36. Elle répond, le numéro c'est le 077 79. Qu'est-ce que je raconte même? 077 99 69 36, ce numéro de la dame. Vraiment,